je vous retrouve pour mes colos de la semaine. Donc, comme d'hab, je reviens sur quelques-uns. Donc, tout d'abord, j'en ai refait un dans le Peter Pan. Alors, cette fois-ci, j'ai essayé de changer le fond. Bon. Pareil, je sais pas quoi en penser. J'adore mes personnages, mais vraiment, je trouve que j'ai beaucoup de mal avec ce livre au niveau des fonds. Donc là, je l'ai fait au néocolore. J'ai utilisé du noir, du violet, du bleu. Mais bon. Ouais, je trouve que j'ai beaucoup de mal. Et puis, on en voit rarement colorié. Donc, c'est vrai qu'on peut pas voir un peu ce que les autres y font, etc. Donc, bon. Il va falloir que je me penche vraiment sur la question. Parce que là, pour le coup, j'ai l'impression que les deux, trois derniers, je les ai plus ou moins ratés. Donc, bon. Le Roi Lion, vous en avez vu un. Je suis désolée, ma voix est un peu cassée. Mais je suis toujours un peu malade. Donc, il m'en reste 4 et cette semaine j'ai fait celui-ci. Donc vraiment je vous avais dit il me reste les plus durs en fait, les plus longs, où il y a le plus de personnages, etc. Bon, je suis assez contente, c'est au niveau des nuages, c'est la première fois que j'essaie de les colorier de cette manière. Et je trouve que le rendu il est vraiment pas mal. Donc là après cette semaine je me suis pas trop attardée sur mes autres livres. Donc, vous avez vu un princesse, réponse que j'ai fait, ses cheveux m'ont pris 3 plombes, franchement, et puis en fait j'ai tout fait à sec, donc forcément, quand on fait à sec, c'est beaucoup beaucoup plus long, et je suis en train de le chercher, comme d'habitude, voilà. Donc je suis assez contente du résultat, je pensais ne pas trop savoir colorier les princesses, etc., et puis au final... Ça va, je m'en sors plutôt pas trop mal. Et cette semaine, là, vous avez vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'agenda 2018. Et en fait, pour ceux qui ne me suivent pas sur le groupe, j'ai fait un échange contre mes CDC New Order avec l'agenda. Donc, c'est avec un membre de mon groupe, Lily, Lucas. Si tu passes par ici, je te fais un gros bisou. Et du coup, bah oui, on est déjà quasiment fin septembre et je veux à tout prix rattraper mon retard pour pouvoir commencer l'agenda 2019 en temps et en heure. Du coup, je les ai enchaînés cette semaine. En fait, depuis mardi, je ne fais que ça. Je n'ai fait qu'un colo dans un autre livre. Sinon, je les enchaîne les uns après les autres. Donc, je ne les ai pas forcément fait dans l'ordre. Je prends ce qui me plaît. Donc, ce que je trouve dommage... C'est qu'il y a beaucoup de ce style-là et j'ai beaucoup de mal avec ce style de colo. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. J'avais pas forcément regardé une vidéo de présentation. Donc bon, vous voyez beaucoup de trucs comme ça. Donc ça fait colo assez simple, mais... Donc j'ai testé un colo anti-néocolore sur Polochon. Et je suis assez contente du résultat pour un premier coloriage au néocolore. Je trouve que je me suis pas mal démerdée. Et en fait, pour les mélanges, par exemple le jaune et le orange, je faisais d'abord mon jaune, j'attendais que ça sèche, et ensuite je faisais le orange. Et je trouve que ça rend super bien. Bon, rien d'oufissime, mais pour un premier, je suis très contente. C'est vrai que j'adore les néocolores, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un coloriage entier. Donc, j'ai pas risqué de prendre un colo auquel je tiens énormément. Là, je suis partie sur l'agenda, sur Polochon, et c'est très bien. Ah, dont je suis très contente, c'est celui-ci. Je me suis quand même un petit peu cassé le cul pour le personnage. Et franchement, je l'adore. Je suis très contente du résultat. Après, j'en ai fait d'autres plus ou moins réussis. Par exemple, celui-là, bon. Ah, fallait bien faire quelque chose, donc je l'ai fait. Buzz l'éclair, je suis assez contente du rendu au niveau du fond. Je trouve que ça ressort vachement bien. Donc on m'a dit, comment t'as fait ton effet galaxie? C'est pas vraiment... Alors, ça reprend les couleurs de l'effet galaxie, mais c'est pas vraiment ces couleurs-là. L'effet galaxie, c'est plus dans un rond, un genre de tourbillon. Moi, là, j'ai simplement mis les couleurs comme ça. Mais en fait, je voulais faire l'effet, mais c'est un trop petit format pour pouvoir le faire correctement. Du coup, je suis partie comme ça avec les mêmes couleurs et je trouve que ça rend bien. Mais c'est vrai que le vrai effet galaxie, j'aimerais bien le tenter sur un colo. Je suis revenue, alors ce qui est bien dans cet agenda c'est que je fais un mixte
de tout mon matériel de fond. Gelatos, pastel, néocolore, j'ai fait des fonds CDC. Voilà, j'essaye vraiment de varier et de changer un peu de ce que je fais d'habitude. Donc par exemple, Blanche-Neige. D'ailleurs, je le trouve beaucoup mieux en vrai qu'en photo. Et c'est un fond à la pastel. Assez simple, vous me direz, mais je trouve que le rendu, il est super. Donc voilà, j'ai essayé de varier. Celui-ci, j'en suis très contente. Donc le fond bleu, je l'avais vu sur un colo et je trouvais que ça ressortait hyper bien. Donc j'ai fait mes coloris, mes carottes, mes personnages comme je le sentais. Et ensuite, je me suis inspirée du fond bleu. Alors, je l'ai dit, on peut s'inspirer. Mais c'est vrai que quand je l'ai publié, eh ben, j'avais cette impression de... pas d'avoir copié, mais presque. Alors, j'ai pas copié le dessin. Non, c'est vraiment pas mon style. Hein. De prendre le coloriage de quelqu'un d'autre et refaire pareil, c'est pas du tout moi, je déteste ça. Mais c'est vrai que du coup, bah, le fond bleu fait que ça ressemble au coloriage auquel je me suis inspirée. Mais en tout cas, ce qui est personnage, etc. Moi, vous le savez, pour mes personnages, toujours Google. Je tape et ensuite je regarde, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait certaines des ombres comme elles sont, puisque je me suis inspirée de la photo sur Google. Donc bon, c'est vrai que généralement j'essaye de pas m'inspirer, de pas, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire que vous avez copié, alors que non, c'est très rare que je le fasse, et là je me suis simplement inspirée du fond bleu. Ensuite, celui-là, je vous ai fait un tuto 1, 2, 3 couleurs. Donc, vous pourrez remarquer sur quasiment la totalité de ces coloriages dans l'agenda, j'ai utilisé cette technique, sauf sur Hank, la pieuvre, où là, j'ai utilisé 5 couleurs. Mais sinon, je suis très contente de ce rendu. Je voyais pas comment j'allais les faire, le fond, etc. Et vraiment, la technique est simple et je suis assez contente, puisque sur mon groupe, il y en a quelques-unes qui commencent à... tester mes petits tutos et ça fait très plaisir parce que la chaîne n'a pas énormément d'abonnés. Généralement, mes abonnés, c'est ceux du groupe et je les remercie parce que je ne m'attends pas à avoir 1000 abonnés, mais c'est vrai que ça fait très plaisir quand on prend le temps de faire des petits tutos et que vous vous appliquez entre guillemets à essayer de les tester, de les faire, et sincèrement, ça me fait énormément plaisir. Donc après, dans cet agenda aussi, je vous parle beaucoup de l'agenda parce que j'ai fait beaucoup dans l'agenda. J'ai essayé l'effet toupie. Alors, je l'ai fait au CDC et je l'ai fait à main levée. Il y a un tuto sur YouTube où elle le fait au gelatos avec un bol. Vous le savez, moi et les tutos, ça fait deux. J'ai vu la photo, j'ai avancé la vidéo, j'ai vu qu'elle faisait avec un bol. J'ai avancé la vidéo, j'ai vu que ça donnait ça, j'ai dit bon, allez... J'avais pas envie de m'embêter à mettre un petit bout de papier, à faire avec un bol, etc. Donc je l'ai fait à main levée et je trouve que le résultat, il est pas mal. Ça change et c'est parce qu'en fait, mon jumeau, il m'a dit tu fais toujours plus ou moins les mêmes fonds. Donc on n'a pas 36 000 matériels de fonds. Donc c'est vrai que dans cet agenda, j'ai essayé de tester un peu plus de choses et faire un peu plus de choses qui changeaient. Donc voilà, je suis assez contente. Et même celui-ci, on l'a énormément vu. Il y a le tuto d'Oro Petticolor où elle le fait en gelatos. Et en fait, à la base, les couleurs de ce personnage, les vêtements, tout ça, c'est du vert. Et moi, j'ai regardé sur Internet, il y a une image où on le voit en bleu. Bon, le chapeau et les chaussures, c'était gris, mais ça m'embêtait de le faire gris. Du coup, je me suis dit, je vais pas... Si je le fais en vert, ça va reprendre un peu tous les colos de tout le monde. Du coup, j'ai changé. Je suis partie complètement dans d'autres couleurs et j'adore le rendu. Je trouve que ça change puisqu'on l'a toujours vu en vert. Donc voilà pour cet agenda. Il m'en reste pas mal à faire. Il m'en reste plus de 25 pour rattraper mon retard. Mais je compte bien rattraper mon retard. Vous savez, enfin vous commencez à me connaître, je suis assez tenace quand j'ai une idée en tête, donc je le rattraperai. Ensuite, vous avez vu que j'ai craqué pour un mystère. Je n'avais que le trompe-l'œil, je l'avais terminé il y a quelques mois. J'avais pas vraiment de technique à l'époque, j'avais fait un peu au CDC et puis ensuite au feutre, beaucoup de fond de gelatos. Mais voilà, j'avais beaucoup moins de technique qu'à l'époque et là du coup...
Les mystères me tentaient parce que j'adore les personnages qui sont dans ce livre, mais c'est vrai que je trouve que ça reste assez simple au niveau des colos. Mais c'est pas prise de tête et ça détend. Et du coup, j'en ai fait un premier que je vous ai montré dans la vidéo test Vaseline. Je l'adore, sincèrement. Alors déjà, Kovu, Kiara, Roi Lion 2, j'adore. On les a retrouvés dans le bloc portrait en petit et là on le retrouve en mode adulte et je suis très contente et je trouve que le rendu à la vaseline est super. Et donc je vous en montre un deuxième et en fait je ne l'ai pas encore posté sur mon groupe et vous le verrez dans mes vidéos de la semaine prochaine, mais je vous le montre là. Je l'ai fait hier soir, donc c'est Gus Gus de Cendrillon. Même méthode, j'ai fait à la vaseline et mon fond néocolore. J'ai respecté le fond, puisque c'est quand même bleu, un violet foncé et un violet clair. Mais au néocolore, je trouve que tout de suite, ça rend beaucoup mieux. En vrai, sans compter le temps de séchage, puisque après, j'ai rajouté mon Posca, j'ai mis 1 h 15 pour faire le colo en entier, très noir. Tout colorié, néocolore et Posca. Et je trouve que c'est assez rapide pour un mystère. Donc je suis très très contente du rendu. Et surtout, je vous le rappelle, mettez des feuilles blanches pour la vaseline et même en général dans vos livres, ça évitera des catastrophes. Donc voilà, vous le verrez en mieux la semaine prochaine dans ma vidéo. Je vais publier tout à l'heure sur mon groupe, mais je suis très contente d'avoir ce livre. Ça va me changer. Et surtout au niveau des personnages. Donc c'est vrai que cette semaine, c'est le jeu de Sandra, c'est au niveau des personnages secondaires. Vous en avez vu beaucoup, beaucoup dans ce livre. Le jeu est assez compliqué dans le sens où il ne faut pas que sur les colos, il y ait les personnages principaux. Donc c'est vrai qu'il faut un peu se creuser la tête. J'en ai encore quelques-uns dans ce livre. Et puis je pense que cette semaine, je vais quand même revenir vers mes autres livres. Toujours continuer mon objectif dans l'agenda de rattraper mon retard, mais essayer de colorier dans les autres livres, surtout que là il m'en reste 4 et que je lâche pas mon royaume. Donc voilà, je suis désolée pour ma voix cassée, vous devez l'entendre énormément. En tout cas, pour une fois, vous n'avez pas entendu de bruit extérieur, pas mes chiens, pas mes enfants, donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. La semaine prochaine, vous aurez un speed coloring dans celui-ci. J'ai pas encore choisi le coloriage que je vais vous faire. Si vous avez le tome 4 et que vous voulez voir un speed coloring au CDC fait à la vaseline et que vous voulez en voir un précis dans celui-ci, je vous invite à me le demander, il n'y a aucun souci, vous le ferez. Et puis pour la semaine prochaine, j'ai pas encore prévu d'autre chose. Et en fait, c'est ma dernière semaine où j'ai du temps libre, puisqu'après, à partir du 1er octobre, les horaires vont doubler. Donc voilà. À la prochaine, gros gros bisous. Je fais une petite parenthèse. Je remercie beaucoup mes administratrices de mon groupe, Julie et Sandra, parce que le groupe il fonctionne hyper bien, que les jeux plaisent, qu'on a de plus en plus de participation. Vous avez vu là le jeu de Julie dans la vidéo de vendredi. Il y a eu énormément de participation alors que c'était pas si facile que ça. Donc voilà, les filles, je vous fais de gros bisous. Et puis merci pour ceux et celles, surtout celles, puisqu'on est. On est quasiment que des femmes qui sont là, qui me suivent et qui suivent mes petits tutos. Ça me fait très plaisir. À la prochaine et surtout profitez bien de ces moments de détente.